Bonjour et bienvenue dans le 108e épisode du Let's Play sur Gothic 3. Alors, j'ai fait une petite boulette. Bon, alors, j'ai décidé de faire le temple là. Et je me suis rappelé que lui, on pouvait lui demander de venir avec nous. Bon, bah, je suis allé le chercher. Et puis, bon, bah, je suis arrivé devant le temple et j'ai commencé un peu. Ce qui fait que j'ai tué quelques squelettes. J'avais complètement oublié d'enregistrer. Bon, c'est pas grave, j'ai tué 4 squelettes. C'est pas le bout du monde, hein, bon. Ouais, parce que j'espère qu'il n'y a pas un prêtre. Ah tiens, il Allez, va, l'attaque-toi. C'est quand même plus pratique quand il y en a un qui joue les appâts. Surtout que ça ne gêne pas de combattre les squelettes. Alors que moi, vraiment, ça me pose un vrai problème. Ah, voilà. On va sauvegarder, hein. Allez, prends. Voilà. Désolé. Mon chien qui réclamait sa part. Butin. Ouais, c'est bon, en plus si c'est les momies qui viennent vers moi, elles je peux les descendre à distance. Bah, tu veux aller, bute-le. Mais non. Va aller lui filer un coup de main. Bien, prends ça, vermine. Je regarde parce que comme je dois chercher un truc, je me suis dit avec un petit peu de chance, il va se trouver là-dedans. Oui, évidemment, c'était rêvé. Bon, on va sauvegarder. Et on va aller s'enfoncer dans le temple. Tu viens? Allez. Passe devant, je te suis. Waouh, allez, vas-y. Putain, il attend que je me fasse attaquer pour réagir. Bien joué! Très bien. Petite sauvegarde. Fait jamais de mal. Puis c'est plus prudent. Ouais. Il l'a enrhumé. C'est par là. Ah, attendez, faut que je regarde quelque chose. Faut que je regarde quelque chose. J'ai trouvé un truc. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Artefact. Ouais, d'accord, voilà. Donc c'est déjà une partie, une quête qui... Ah, attention derrière toi.
Merde, c'est pas ça. Je suis désolé, je me suis embrouillé dans les... dans les touches, alors... Mais tu vas l'attaquer, oui. Voilà. Je peux y aller, puisque... Hop, un bon coup dans le dos. Voilà. Je sais, c'est pas très glorieux, mais c'est plus facile, comme ça. Ah putain, à chaque fois je me plante. Allez, venez, 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 venez. Voilà, allez. On prend mon arc. Et on va essayer de toucher la mamie. Et sauve-toi de là. Putain, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il attend pour leur taper dessus? Il est en train de se faire le... celui que j'aime pas. Wow. Voir si ce que ça donne si on se le fait au corps à corps. Parce que je crois qu'ils rendent malade, que les mamies rendent malade quand elles touchent. Donc on va essayer d'éviter de se faire toucher. Ah, on est bloqué. Non. Bon, non. Évidemment. Ah putain, ben voilà, je suis con. Putain, ça, elle va pas vite pourtant. Bon, ben maintenant, hein. Maintenant que j'ai été touché, hein. Bon bah on va se soigner. Alors c'est quoi? C'est pas l'antidote, c'est la potion contre les maladies. Bon, on va sauvegarder. Je suis démerdé comme un manche. Ah ouais, attends, il faut que je l'aide là. Ah merde! Ah oui, bah... Je pense que je vais aller... Bon, alors attendez, je vais. L'autre est mort, mais je vais sauvegarder cette partie-là et je vais essayer de le récupérer. Comme ça, maintenant, j'aurais tué le grand prêtre, là. Mais je vais recharger ma sauvegarde rapide. Je préfère l'avoir avec moi. Parce qu'il pourra éventuellement m'être utile quand j'attaquerai Morasoul. Allez.
Bon, je vais m'en aller. Je vais m'en aller, comme ça, il va se régénérer. Ah, est-ce que cette musique-là signifierait qu'il est mort ? Waouh ! Bien joué, prends ça, vermine. Et voilà, et voilà. Ah bah, ah, ça fait du bien. Ça. Il avait rien sur lui. Il n'y a même pas le bâton. Il est où son bâton ? Il est là. Ah bah voilà. Moi, je trouve que c'est bien joué comme ça. J'ai récupéré Hangar. Ok, c'est vide là. Ah, il a vraiment pas fait un pli là. Il n'y a plus rien, donc c'est ici. Je vais récupérer. Ah non, c'est plus. Il y a encore là quelque chose. Ah, une potion de force vitale, bah c'est bien ça. Je vais la manger, je vais la boire tout de suite, je vais la manger. Tu veux encore un biscuit, mon pépère? Attends, tiens. Tiens, mon Brinus. Voilà. Voilà, saleté. Alors ça. La force vitale, bah c'est bon, ça va. 290. En fait, c'est 240 plus 50. Hein, faut pas oublier que j'ai l'anneau d'Adanos. Ah, voilà. Oh là, c'est dommage que je puisse pas la mettre. Savoir des ennemis requis 250. Alors, je ne pourrai jamais la mettre. Voilà. Donc ça m'en fait 3 des... Il n'y a pas un endroit où on peut aller. Non. Bon allez, viens, viens. On rentre à la maison. Oh bah c'est une bonne chose de fait, hein. Il a été plus simple. Mais je crois que j'aurais bien galéré si j'avais pas été chercher Hangar. Il m'était bien utile. Et j'ai eu raison de le garder, de le sauver. Bon, j'avais sauvegardé quand même au cas où. Hein. Qu'est-ce que j'ai cliqué pour voir. Je ne peux rien faire ici. Va-t'en maintenant. Tu sais où me trouver. Voilà, donc. Alors, Morasu, voilà. Ah bah tiens, normalement c'est plus 6. Quand elles sont usées, les pierres, c'est plus 6. Vous voyez, hein, savoir des anciens 81, d'ici à ce que j'ai les 250, bah... J'aurais joué la version 5 ou la version 6. Hein. Bon, alors, on va aller voir Ilnar. Tiens, fais voir, est-ce que tu as quelque chose à me vendre, toi ? Montre-moi ce que tu vends. Non. Et puis, il a plus de sous, c'est vrai que je lui avais tout pris. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ? Forge, ah oui, mais 18 points. Ah. Faut que je fasse aussi les potions, mon nom. Beaucoup de choses à faire. Bon. Ah mais attendez, c'est le soir ou le matin? Parce qu'ils vont être couchés les gros feignants. Ah non. Voici le vase que tu voulais. Tu es allé dans le temple? Je suis très impressionné. Fais-le voir. Oui, c'est bien lui. Enfin, tu n'imagines pas depuis combien de temps je le voulais. Nous sommes quittes, mais écoute bien. Je vais te donner un petit bonus parce que tu as respecté ta parole. Les gens comme toi sont rares. Je suis enchanté de t'avoir rencontré. Montre-moi ce que tu vends.
On va prendre des carreaux hein, quand même. Ah, puis on va lui. On va lui refourguer toutes nos cochonneries. Ah, 800, c'est pas mal ça. Il encore... Oui, mais là, il pourra, il n'aura pas. 1300. Voilà. Si je peux, je pense que je peux. Impeccable, impeccable. Voilà. Bon, ça va. Ça va, je ne suis plus. Je ne suis pas très pauvre. Alors, qu'est-ce que j'ai. Avec tout ça, moi j'avais prévu que ça dure plus longtemps. Tu es chrono. Bah oui, donc j'ai fait toutes les missions qui pouvaient m'être utiles. Parce que ça, il est hors de question que je le fasse. Bon, bah, ce qu'on va faire. On va. Ouais, bon, tiens, on va refaire ces villes-là. Voir si j'ai pas des quêtes que j'ai effectuées qui peuvent m'apporter 2-3 bricoles. Bah, c'est Braga que je veux. Hein. Voilà. Ah, j'avais prévu que ça dure plus longtemps, donc j'avais pas envisagé d'avoir autre chose à faire. J'ai combien de réputation ici? Non, c'est pas ça, c'est ça. 55, ouais. On va essayer de trouver des gens qui parlaient. Tâche de ne pas te faire remarquer. Oui. Tout tu dois bien avoir quelque oui. chose à faire. Laisse-moi tranquille. Putain, ils sont quand même aimables, hein. Ça fait plaisir de leur rendre des services. Tâche de ne pas te faire remarquer et tout se passera bien, compris? Non. Ah, il est pas roquinier, hein. Je l'ai rossé, celui-là. Ah tiens, j'ai pas mal de boucliers à vendre. Ah oui, puis lui, il a beaucoup de sous. Tac. Ils sont usés, oui. Si je parle pas, c'est que je regarde en même temps les trucs. Oui, ça, j'en ai pas mal de ceux-là. Est-ce que j'ai du cochonnerie ici? Oui, ça, je peux vendre, ça, je peux vendre. Corne à bord, c'est vachement utile, ça. Cap de golem. À ceux-là. Voilà. Là, maintenant, j'en ai plein d'ici. Ah, ça... Bon, bah, je pense que c'est bon, là. Je ne vends rien qui me soit utile. Allez. Bon, 138. Bon. Où il est, Nafalem? C'est un bunker. Nadiego. Mauvaise nouvelle! Quelqu'un attaque nos cités! Quand nous aurons trouvé les coupables. Ouf. Nous en occuperons, vite fait. J'ai cru que ça allait faire comme être Elis. J'ai cru que j'allais devoir me battre. L'épée était auréolée de flammes. Et Inos était son porteur. Seigneur des anciens. Inos dit à Robar, descend des montagnes et triomphe de mes ennemis. Ah, bon. Je veux un lit, je veux un lit. Mais moi j'ai pas attaqué de cité. J'ai pas attaqué de cité. Bon, ce que je vais faire, je sais pas du tout. Je vais faire un peu d'exploration. Parce que j'ai deux quêtes ici. Attendez.
je vérifie une chose. Ah, il a... Je l'ai pas faite. Tiens, on se Ah, c'est Lazare, d'accord. Ah, attendez, est-ce qu'il dit où est-ce que je peux le trouver? Oui. D'accord, mais c'est fils de rat, ça m'aide vachement. Bon, bah, on va aller par là, puisqu'on n'y est pas allé. Si, on y est allé en partie, mais on va aller plus loin. Non, les chacals. Vous continuez votre chemin. Et on sera bons amis. Il me semble qu'il y a encore un autre temple. Donc, quand je l'aurai trouvé et qu'il faudra le nettoyer, j'irai rechercher Angar. Dommage que Diego soit si loin, j'aurais peut-être pris lui. Parce que il faut se retaper tout à pied. Hein. Faut se retaper tout à pied. La pierre de téléportation marche pas. Enfin si elle marche, mais que pour moi. Une petite flasque d'eau. Ouais, donc ça me le remet à toc, hein. Ça me remet pas 50% seulement, contrairement à ce qui est écrit. Je sais pas du tout si je vais vers un bon endroit ou pas. Ça. La carte. Ouais, je me rapproche des limites de la carte. Aller dans la végétation là. Les derlines là. Bon, je sauvegarde un peu. Ah bah il a pas voulu me sauvegarder. Bon bah, j'avais dû appuyer sur F6 au lieu de F5. Je vois pas pourquoi ils iraient s'enterrer dans des grottes, alors qu'il y a un oasis là, il y a du feu. Il y a des lions. Bon, moi je vais pas toucher à ces bébêtes. Plus elles sont pas agressives. Elles me disent... hein? Hop, elle me prévient. Dégage. Oui, je m'en vais. C'est très bien ça. Mais c'est pas par là, mon ami. Je vais aller au-dessus de la montagne. Si je vois quelque chose qui pourrait être intéressant, j'y vais. Sinon, je retourne à Braga. Ouais, je vois rien qui pourrait... Bon, alors on retourne à Braga, hein. Il y a une histoire d'oasis, de trucs comme ça. Je me rappelle que je m'étais frité avec des gars dans un oasis. Pour l'instant, on n'en a pas rencontré. Expérience 10 points. Qui c'est qui m'a donné l'expérience là?
C'est étrange. Bon, j'ai plus le bug de loin. Tiens, c'est quoi ça? Crocodile. On va continuer notre recherche. Oui, c'est bon, mais... Bonhomme, je m'en vais. Il n'y a rien, donc on va continuer. Là, ça va, l'épisode est un peu plus équilibré. Un peu de baston, et après de l'exploration. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cette espèce de bâtiment là, c'est pas Braga? Non. Bon ben on va aller voir. Et puis je vous laisserai quand on y sera. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a pas l'air d'être une ruine. Ben si, c'est une ruine. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est là? Ah oui, si, si. Non, le chacal. Non, le chacal. Non. C'est pas ce que ça veut dire, non? Non. Bon, bah, on va continuer à chercher un petit peu. Hein. Où est-ce que je me dirige? Ils sont beaucoup plus agressifs, les chacals, hein, que les lions. Les lions, ils disent... Bon ben, viens pas nous emmerder, sinon... Ah, il y a des tentes là. Mais est-ce que c'est les tentes de Youssouf? Il me semble que c'est là que se trouvait Youssouf. Ouais. Donc c'est pas ce que je cherche. On va aller dans la liste là. Oui, bon le lézard. Hein. Le problème, c'est que ça me paraît bien proche de Morasoul. Je pense que j'y suis déjà passé. Une petite flasque d'eau. Hop, voilà. Ah bah non, là, ça m'a pardonné 100%. Ouais, donc j'ai raconté n'importe quoi. Ah. Je sauvegarde, hein, on sait jamais. Je discute un peu avec eux, puis je mets un terme à l'épisode. Eh bien, voyageur, fuis-tu la contrée, toi aussi? Pour quelle raison devrais-je fuir cette contrée? Les morts-vivants, les nomades, les raisons de prendre ses jambes à son cou ne manquent pas. Bah, qu'importe. Désaltère-toi et prends un peu de repos. Que fais-tu ici? Moi? Je suis le commandant de ce lieu, cette oasis est la mienne. Eh bien, vois-tu, les nomades nous rendent la vie bien difficile. Ils saisissent la moindre occasion de nous attaquer, et plus particulièrement ce rat du rite. Peut-être pourrais-tu nous débarrasser de lui? Que puis-je pour toi? Bien de le dire. Urit et sa horde rôdent dans les parages. Ils guettent l'occasion de nous dérober notre eau. Si tu souhaites me rendre service, élimine-les. Où puis-je trouver Urit? Non loin d'ici, au sud. Les nomades rôdent généralement parmi les vestiges anciens. Je vais d'abord discuter avec je vais voir s'il y a personne à qui discuter. Parce que je vais peut-être pas le provoquer comme ça. Bon, ce que je fais, je sauvegarde. Hein. Je lui parle du minerai, des lingots. On voit ce que ça donne. Mais je vais pas me battre tout de suite avec lui. Donc si ça marche pas, je rechargerai la part. Les lingots de minerai. Et après, que comptes-tu y faire? Dis-moi ce que tu as fait des lingots de minerai. Je les ai revendus depuis déjà bien longtemps. Et maintenant, disparais de ma vue.
Ne m'oblige pas à te faire du mal. Qui est ton acolyte? Ah, voilà bien longtemps qu'il est parti. Il connaît ce désert jusqu'à la moindre cache, et a plus d'amis à Morasoul que tu n'as d'ennemis dans cette contrée. Jamais tu ne le retrouveras. Morasoul, hein? Et après? Ça ne te sera d'aucune utilité. Bah, tu peux bien écrire jusqu'au dernier de mes mots. Ça fait bien longtemps qu'il a quitté cette cité. Et ne t'imagine pas que je te donnerai son nom, fils de la naïveté. Bon, ben, on va sauvegarder, hein. Alors, on a bien avancé puisqu'on a eu un des artefacts qu'il nous fallait. Et j'en ai deux ou trois. J'en ai trois ou quatre, je veux dire. Ben, je vais en avoir trois. L'anneau, l'amulette, et puis la couronne. Il m'en manque deux. Bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant vous retrouver la prochaine fois. Merci, au revoir.